Bonjour à tous, ici Cléa Sim, on se retrouve pour ce 39e épisode sur RimWorld en compagnie du live, bien évidemment, en compagnie aussi des différents héros présents depuis quelques épisodes déjà. Dans l'épisode précédent, malheureusement, Zinedine s'est fait abattre d'une balle dans le crâne. Ça n'a pas pardonné de beaucoup. On a réussi quand même à battre deux faucheurs, un centipède, enfin un centipède qui est encore vivant mais qui aura du mal à bien s'en sortir. Et il nous reste deux centipèdes à abattre et on pourra aller voir dans la zone là-bas. Le souci étant, Sakura vient de partir en mélancolie, donc là aussi c'est pas top du tout. Malheureusement, elle risque de craquer un petit peu. Elle a craqué, donc il va falloir réussir à s'en sortir. On va voir si on peut aller plus loin. C'est pas toujours assuré, mais suivant comment ça se passe, on pourrait peut-être s'en sortir. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il va falloir, c'est mettre Bedi-Tok à l'assaut, qu'il gère un petit peu les derniers centipèdes. Et après, on pourra gérer toute notre colonie plus facilement. Joue au fer à cheval, bah vas-y, fais-toi plaisir. Parce que pour l'instant, c'est un peu difficile, hein. Bedi-Tok qui est pas content, qu'est-ce qu'il a? Mon ami est mort, ah bah oui, a vu mourir un allié, oui, mais ça fait moins 11, ça fait très mal. Chambre horrible, pourquoi chambre? Ah bah oui, parce que personne fait du nettoyage. Forcément, non, tu viens te battre. On va essayer d'abattre les derniers fauteurs de troubles. Et après, on aura vraiment le chemin libre. Par contre, il y a du feu. Alors, ça serait bien que tout le monde réagisse en fait, hein. Voilà. Et nous, on va surveiller ça. Oh. Alors, critique, mouvement critique, celui-là. On laisse vraiment hein, pour qu'ils se mettent en sécurité. Bien, un tir à la tête en plus. Efficace. Un beau tir ça. Encore. Encore, encore. Par contre, il faut que je demande à Valkyrie, qui est ici, de faire le tombeau de ce côté-ci. Oh là là, il se prend des balles. C'est bon, deuxième quasiment abattu. Alors, on va se planquer juste un petit peu. Allez, mange et casse-toi, s'il te plaît, merci. Ok, donc là c'est pas mal. On a deux centipèdes de blessés. Le dernier a du mal à se déplacer.
Oh, capteur, d'accord, on pourrait quasiment attaquer avec tout le monde. Est-ce que tips? Cuisine un palace simple, d'accord. Rose, minerai compacté, d'accord, tu les ramènes. On pourrait y aller à tous, hein, et les terminer à tous en fait. Et par contre, cette tombe, on va la désigner pour Zinedine. Et demander peut-être pas à Tiberians, mais peut-être à Rose si elle veut bien enterrer. Non, tu peux pas l'enterrer. Bon allez, rentrez chez vous, après avoir tabassé un pauvre... Ça, on pourra le récupérer. De toute façon, ils se réparent pas, hein, ou en tout cas, ils vont mettre du temps à se réparer, hein, pas avec ce qu'ils ont pris. Et on pourra déplacer quelqu'un d'autre. Le souci, moi, c'est Sakura qui m'embête beaucoup. Malnutrition insignifiante, mais elle commence à être fatiguée aussi, je crois. Elle a quasiment pas dormi, donc elle devrait s'effondrer, arriver un moment. Où est Rose? Elle est en train de fabriquer encore un casque en métal, d'accord. À l'aise, est quasiment soignée. Infection a causé l'infection d'une oreille droite d'une jeune laie, d'accord. Donc on a bien un animal qui est malade. Ok, on va devoir se battre encore, hein, parce que c'est pas gagné-gagné. Pouvoir y aller avec Tips, je pense. Même Valkyrie, épuisement, Sakura. Ok, elle va pouvoir aller se coucher et s'en sortir. À l'aise, lui est quasiment sorti d'affaire. Il nous reste plus que quelques bestioles à abattre et puis on pourra y aller tous ensemble, hein. Ça sera très bien. Allez, on va faire la tombe. Donc de Zinedine et après ben, on pourra aller lui rendre hommage. Presef to pay respect. Le fameux. Bon après c'est vrai qu'on n'a pas des territoires qui sont très beaux, mais bon pour l'instant on a du sang de partout, on n'a pas encore soigné qui que ce soit. On a un peu de... Ça c'est pas mal, on avait quelques carcasses encore. Et Beditoc qui va repartir à l'assaut. Tiens, on a quand même quelques bestioles à récupérer.
les murs qui avancent et les balles qui vont pouvoir fuser. Et à l'aise, on n'a pas récupéré. Il est quasiment mort, hein, celui-là, hein, donc. Il est pas mort encore, il est fragilisé, etc. Mais allez, Narcisse. Bien. C'est bon. Ça aurait été compliqué. Mais on aura réussi quand même. Capteur optique droit blessé. Ok. Bon, Beditoc va pouvoir être soigné, c'est parfait. Tiberians, ok. Pourquoi on a les viandes qui pourrissent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais on n'arrive pas à garder la nourriture intacte pour le moment. C'est assez gênant. J'ai presque l'impression qu'il nous faudra une deuxième. Un deuxième climatiseur, parce que sinon, ça va pas le faire. Et ensuite, on va prendre le premier qui se lève et il va aller terminer les centipèdes qui sont de là-bas. Pendant que Narcisse se ramène à son morceau de centipède tranquille. Oui, je sais que le froid, il diminue quand on ouvre la porte parce qu'il fait chaud dehors. Je le sais, c'est pas un problème ça. C'est qu'il va falloir certainement que je fasse surtout ça. Un petit couloir, je pense, structure. En bois, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Hein. C'est ce qui m'embête. On va faire certainement que la porte soit ici et on va. Mandra Valkyrie de nettoyer ça. À l'aise. Allez, prends-toi utile. Va équiper tes carabines de survie. Valkyrie. Va me faire une porte là. À l'aise, tu vas me tabasser. Ce centipède et tout ce qui est là, ça n'est plus interdit.
Ok, une fête est organisée par Rose, parfait. On va réussir à les bloquer quand même au bout d'un moment. Ok, parfait. Maintenant tu peux bosser. De ce côté-ci, à l'aise, à terminer. C'est le traitement des données qu'il faut détruire en fait, hein, je crois. Ok, bon, ça c'est fini. On va pouvoir récupérer tout le reste, ça c'est parfait. Pouvoir gérer. J'ai entendu qu'un animal s'était fait tabasser dans le coin. Mais ok. Voilà. Valkyrie, tu es où? Tu vas me démanteler la porte en bois et tu vas faire un mur ici. Structure, mur de granit. Et une Valkyrie qui nous fait le mur de granit en espérant que les animaux ne viennent pas tous se mettre là-dedans. Voilà, comme ça la zone va rester en négatif le plus longtemps possible. Parfait. Et on va pouvoir maintenant aller chercher. Alors, on va peut-être faire ça aussi, que ce soit un camp de prisonniers au besoin. Et on va aller capturer les personnes qui sont là-bas. On attendra bien sûr le lendemain matin. Histoire que tout le monde soit un peu en position pour gérer. Alors, on va peut-être pas mettre ça tout de suite en lit de prisonnier, on verra. Casque en métal achevé, ça a été fait par Narcisse. Tu l'annules. Ok, donc la nuit va tomber et on va pouvoir gérer de l'autre côté. Un minigun bâclé, ça va être bien à la revente. On va avoir plein de choses sympathiques à revendre. Bon, des vêtements en lambeaux. Et ça, c'est le temps que les vêtements se terminent. Alors, la température est bien celle voulue. Ici, on devrait pouvoir gérer. Là, on est toujours à 21 degrés. C'est parfait. Et donc, le lendemain, on va prendre tout notre beau petit monde qui est ici. On va attendre tranquillement 4-5 heures du... Enfin, 6-7 heures du matin. Et on va les emmener directement dans la base là-haut. Alors... Ursa est enceinte. Notre minette est en chaleur. Enfin, elle est plus en chaleur. Maintenant, elle est enceinte carrément. Et une lait a donné naissance à deux petits marcassins. Qu'est-ce que ce sera bon? Allez. Tout le monde en position.
s'occuper de ça, capturer du monde si l'on peut. Et une autre Léa a donné naissance, deux petits marcassins également. Et il nous manque quelqu'un là. D'accord, Bellitoc qui met du temps à se déplacer. Alors voilà, tout le monde est... Alors lui il est mort, lui il est mort et on va pouvoir... D'accord, donc c'est bien. Pas besoin d'attaquer, alors on va pouvoir secourir, non capturer. Capturer cette personne là, on va capturer un maximum de personnes hein, de toute façon. On va faire des lits de prisonniers et comme ça on pourra s'occuper de tous les prisonniers, ça sera nickel. Secourir, non c'est pas secourir, c'est capturer. Capturer... et capturer. C'est parfait. Et tout ce qui est là, démolir. Tout ça, comme ça on récupérera les ressources. Retips. Tu arrives juste au moment où... Enfin, tu as raté un petit peu tout le moment où on a débarrassé cette zone-là des mécanoïdes. On a perdu Zinedine, hein, au passage, qui est décédé d'une balle dans le crâne attaquée par des pirates. Et par contre, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir capturer et recruter des pirates... Enfin, du monde. Et ça, ça va être très bien. Trois personnes à recruter. On a de l'or ici, on a des composants. Et au moins on aura bien géré tout ça. Ah ouais, dame, il va falloir regarder les épisodes sur YouTube, pas de chance. T'as raté aussi la naissance de l'éléphant aux femelles, je crois. T'as raté plein de choses intéressantes. Par contre, on arrêtera peut-être les recherches après celle-ci, puisqu'il nous faudra avancer sur les animaux. On n'est pas vraiment avancé, c'est un peu gênant. Par contre, il va falloir proposer des noms hein, pour les recrutements. Ça, il va y avoir du monde. Alors voyons voir, est-ce que ça fait du recrutement pour l'instant? Tout le monde discute entre eux, c'est sympathique. 8,4% de chance, c'est dommage. C'était bien tenté. Petit éléphanto est toujours, il fait toujours autant marrer ce machin. Il m'en faut peu, vous me direz, mais c'est toujours aussi drôle, en fait. Donc, oh, viande de porc a pourri dans le stockage. Qu'est-ce qui se passe, là, encore? 7 degrés. Valkyrie, est-ce que tu voudrais pas me faire ce climatiseur, s'il te plaît? Ça serait très gentil de ta part. Pour garder cette zone-là à... quelques degrés au niveau de zéro... Voilà, et on va garder cette
à 0 degré. Ça devrait permettre de maintenir la température ici d'une bien plus agréable. Et on devrait pouvoir s'en sortir un peu mieux parce que là on perd des choses de façon aberrante. En tout cas, maintenant il va falloir gérer. Pourquoi on a du pemmican qui est là-dessus Alors de ce côté-ci c'est sévère, là c'est sévère. Mouvement critique d'ailleurs, c'est pas top. Bras droit, des contusions. Bon, il y a quand même des choses qui ont été soignées, réparées en tout cas. Ça c'est pas mal. Et on a quasiment fini le mur, hein. On va pouvoir continuer un petit peu, faire ici une zone pour s'en sortir. Mais après, tout le reste, ça va être ramené. Et si on récupère les trois colons qui sont ici, on pourra sérieusement se diriger vers la prochaine, prochaine zone. Terme d'animaux, ouais, on a plus de. Faudrait qu'on arrive à garder. Ah, on a plus de mâles. On a que des femelles maintenant. Il va falloir capturer un mâle sanglier. On va pas avoir le choix. Voilà. Dès que possible. Il faudra peut-être abattre cette panthère. Hein. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais ça va devenir important. Passe un moment. Est-ce qu'on aurait d'autres zones? Non, il n'y a pas vraiment d'autres zones proprement parlées. Cicatrice d'engelure. Ah, voyons voir. Béditoc qui est au travail. Est-ce qu'on va réussir? Non, raté, dommage. 8,5% de chance. ~1,6% de chance, dommage. 8,3% de chance. C'est compliqué, hein, les recrutements. Et la recherche ici avance quand même assez vite. Un Béditoc qui fait du bon boulot. En termes d'intellectuel, il est vraiment très très haut. S'il pouvait avoir le niveau 19, ça serait excellent. Même si ça va être très compliqué. Mais il va nous falloir aussi quelqu'un pour gérer tout ça, je pense. Parce que là, on a besoin de nettoyer. Ça devient trop urgent, en fait. Alors, 7,4. Oh purée, ça tombe tellement vite. Mais bon, au moins il repart sur du. Sur des tentatives de. Oh bien! Nouvelle recrue! Donc, on a Bowman qui. Alors, Bowman, c'est une femme. Alors, il y a Rafa qui voulait être nommé. Donc pour le coup, je vais accéder à sa demande. Ok, très bien. Et alors, pour le coup, on n'a pas regardé de quoi était capable Rafa. On va regarder un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui est magnifique, qui est plutôt joli. Donc ça c'est très bien. La main verte, donc c'est un très bon agriculteur, et plutôt incisif. Donc quelqu'un qui a plutôt tendance à dire ce qu'il pense, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, l'intérêt, c'est que il nous faut quelqu'un qui fasse du nettoyage. Ça devient très important. Du transport, pas forcément. Par contre, du dressage, oui, ça je veux bien en deux. Ça sera très intéressant. De la chasse, non. La construction en 3, pourquoi pas. La foresterie, ça sera parfait. Donc quelqu'un qui va nous nettoyer tout ça. Déjà une bonne nouvelle. Mais de rien. De rien, de rien.
C'est un plaisir. Donc, au moins, on a un nouveau colon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sachant que le prochain colon qui ira se déplacer sera certainement Valkyrie et qui se déplacera. Alors, il nous faut un deuxième fermier. Et en deuxième fermier, ouais, Valkyrie qui est pas mal dans le domaine, mais ça fait un peu léger. 4,6% de chance. C'est plus difficile de recruter Mitsuya, semble-t-il. 72% pourtant, hein, donc c'est beaucoup plus simple en théorie que d'autres, mais bon, tant mieux. Vous, 64 ans quand même, hein, esclave sexuel, esclave femelle. Alors, comment dire? Enfant scientifique, scientifique fou, pourquoi elle a assez esclave? Quel est son psychopathe noctambule? D'accord. Je sais pas pourquoi elle est devenue esclave, en tout cas. Parce que c'était pas le but, mais. Bon, Rafa est en train de se faire soigner. Blessure par balle à la jambe gauche, au bras droit et au torse. Quelques contusions, mais ça diminue. Donc, dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Pour l'instant, personne n'a. N'a décrété que c'était pour lui. On va pouvoir reconnecter ici, je pense. Non, activer, pardon. Pour tout simplement gérer un peu mieux. Alors après, c'est sympa qu'on ait des chambres différentes pour les colons. Ça permet vraiment de gérer au mieux. Pour éviter qu'ils ne se sentent mal, tout simplement, qu'ils considèrent qu'ils partagent leur dortoir, pardon. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc un nouveau recrutement, Rafa qui rejoint la colonie. Et encore deux prisonniers à recruter, on va pouvoir envisager très sérieusement de nous déplacer. On a de la nourriture, on a ce qu'il faut, il va falloir se déplacer à deux. Ça va pas être simple, mais au moins ça permettra... Esclave dans un labo, elle fabriquait le gaz sarin du clan des collines. C'est possible, ça rassure pas, mais c'est possible. Donc sur ce, moi je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo et on se retrouve pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!